Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib. Les suspects, l'un est mort, l'autre est en France, en détention. L'un est en Palestine, inextradable. Et les deux autres sont en Jordanie, la Cour de cassation a interdit leur extradition. Je serai le 9 août représentant le gouvernement à la commémoration de ce triste événement de la rue des Rosiers. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême droite, maintenant, que l'on ne peut pas oublier, le point de détail de l'histoire du père fondateur, les 17 ou 18 condamnations, mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau, Châtillon, Péninck, Soral, Dieudonné, Saquenel, où sont-ils cachés dans votre campagne électorale? Voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates. Moi, je suis fier d'appartenir au gouvernement que conduit une rescapée. Je suis fier de ce que, en permanence, le président de la République dit pour lutter contre l'antisémitisme. Monsieur le député, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait des dépêches pour interdire le boycott, la création d'un pôle haine en ligne. Merci. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre Merci, à toute ministre. La République. Merci. Bon, mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à... S'il vous plaît. Madame Anne, s'il vous plaît.